Bienvenue à Technocité. L'univers des nouvelles technologies est en perpétuelle évolution et demande une maîtrise totale des outils modernes. On vous propose de découvrir de nouveaux métiers passionnants et surtout d'approfondir vos connaissances. On vous propose donc un éventail très très large de formations avec différents thèmes répartis en 4 départements. Commençons avec un premier métier fascinant, l'univers du gaming. Fishing Cactus est une société implantée à Mons depuis 2008 dans le parc Initialis et développe différents types de jeux. Alors on est chez Fishing Cactus, donc c'est une société qui compte environ une trentaine d'employés. Nous faisons essentiellement du jeu sur téléphone portable, notamment les smartphones type iPhone, tout ce qui est sur Android, etc. Mais pas seulement, on fait également du jeu vidéo sur console de jeu, sur des consoles comme la Nintendo 3DS. On fait aussi bien du serious game que de l'advert game. Donc pour juste résumer ce qu'est le serious game et l'advert game, l'advert game, c'est des jeux qui ont une vocation publicitaire. On fait la promotion d'un produit. Le serious game, à contrario, est une expérience de jeu, mais en support à une démarche médicale, ou en tout cas thérapeutique, de manière générale. Et donc, c'est une expérience très différente du jeu vidéo classique tel que n'importe qui pourrait le connaître lorsqu'il allume une console de jeu. En parallèle à ça, on fait également des jeux beaucoup plus classiques qui proposent une expérience de jeu simple, immédiate et dans lequel un grand public peut se retrouver. C'est vraiment international, c'est un peu le défi. C'est qu'on est sur un marché qui est purement digital, donc on fait que des jeux qui sont téléchargeables. Il n'y a pas de jeu physique, mis à part un. Le premier métier, on va dire fédérateur, c'est ce qu'on appelle le game designer. Donc ça, c'est la personne qui va scénariser le jeu, qui va inventer les personnages, qui va inventer les mondes, ce genre de choses. Donc c'est un peu, on va dire, la tête pensante du jeu. Après, on a les artistes. Donc là, vous avez des gens qui sont plus orientés 2D, d'autres 3D. Donc ils vont créer les personnages, créer les mondes sur les demandes du game designer. Vous avez les programmeurs qui, eux, vont mettre tout ensemble, vont créer les lignes de code pour y arriver. Vous avez aussi un sound designer, par exemple. Donc c'est la personne qui va imaginer toute l'ambiance musicale, les effets sonores, ce genre de choses. Bon, à côté de ça, vous avez des testeurs aussi. Donc c'est un métier assez spécifique. C'est aller chercher les petits bugs et trouver vraiment ce qui fonctionne pas au sein du jeu. J'aurais tendance à dire que pour moi, le gaming, c'est un peu le cinéma plus, dans le sens où on peut arriver à partager une histoire incroyable avec l'utilisateur, le spectateur, mais en plus lui demander d'interagir avec celle-ci, ce qui est une expérience qui peut être totalement unique et qui finalement tranche totalement avec la vision que certains médias ont du jeu vidéo, une vision assez triste d'ailleurs, qui est le jeu vidéo violent qui abrutit les enfants. C'est pas du tout cette conception que j'ai, c'est ce qui fait que je fais ce métier et que je veux justement le valoriser aussi. Technocité connaît bien la réalité du marché et les besoins des entreprises. Nos centres sont équipés de matériel performant et, lors de votre parcours d'apprentissage, des professionnels partageront avec vous leur expérience sur le terrain. Nous vous proposons, pour vous préparer au mieux, de découvrir des interviews des professionnels, mais aussi des participants à cette formation gaming. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est remettre à niveau les différents profils qui seront présents dans la formation. Donc il va d'abord y avoir une introduction à l'historique du jeu. Une fois qu'on aura fait cette approche-là, on va passer en revue les différents métiers du gaming, donc essentiellement les métiers de type artistique, de type programmeur et également tout ce qui est suivi de projet et métiers liés à la conceptualisation de jeu. En passant également par des étapes plus, je dirais, commerciales. Donc, comment créer un business model, avoir l'idée d'un jeu, c'est une chose, mais comment le vendre et comment réussir à ce qu'il devienne concret. Et la dernière étape, un peu comme la cerise sur le gâteau, c'est une mise en situation où on va prendre ces différents profils, penser à un concept de jeu et le réaliser à la fin de la formation dans un atelier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve, qui retrouve-t-on en tout cas dans les stagiaires qui suivent ces formations-là? Ce sont des gens qui ont envie. Ce sont des gens qui ont envie de faire du terrain, qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis. Là, ils y sont. Directement, ils réalisent des choses, ils vont en stage, ils ont des projets, et il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Alors ici, à Technocité, on a développé une série de petits projets, de petits concepts. Ça va du jeu de société au serious gaming, à l'advert gaming.
Et ici, on a un jeu un peu plus ambitieux où on essaye de faire un prototype ou du moins d'aller le plus loin possible dans la création d'un prototype de jeu vidéo. On a dû développer des projets de jeux de société dans un premier temps, puis un mini-jeu en ligne de type Facebook. Et ensuite, ben là, on est sur un projet de jeu en 3D temps réel. C'est un jeu de tank, voilà. Au moins, on sait ça, c'est un jeu de tank, mais pas comme les autres. Pour la suite, on espère quand même développer un projet à long terme et à la limite, ouvrir une entreprise, ce serait le top. Cette formation est assez bien reconnue dans le secteur d'activité du gaming en général et je dirais qu'elle est complémentaire par rapport aux écoles. Donc tout le monde n'a pas les moyens en temps ou en argent pour investir dans une école. Et même certaines personnes qui ont fait des écoles en termes de gaming viennent suivre un perfectionnement chez nous par rapport à une technique ou une approche métier qui n'est pas forcément vue dans une école. Et donc parfois ça peut créer des synergies à l'intérieur de la classe et ça peut les emmener très loin. Donc pour vous citer un exemple, on a des personnes qui ont suivi des formations chez nous, donc cette formation-là, et qui ont trouvé un emploi dans une société de gaming. On en a d'autres l'année passée qui ont suivi cette formation et qui ont décidé de se mettre ensemble et de créer leur studio Atomic Turtle et qui sont situés ici juste à côté de nos locaux et qui démarrent pas mal effectivement. Technocité est à la base de l'implantation de nombreuses entreprises dans le parc initialiste de Mons. Nous travaillons avec des partenaires privés et publics qui nous aident à construire une zone de développement économique autour d'un projet novateur, la Digital Innovation Valley. Comment nos formations peuvent-elles lancer des carrières? Eh bien, je vous propose de partir à la rencontre du studio Atomic Turtle. Alors Atomic Turtle Studio, c'est une jeune société spécialisée dans les jeux vidéo pour smartphones et tablettes, six jeunes petits montois, qui avons fait une formation ici à Technocité sur la découverte de l'univers du gaming et de ses métiers passionnants. On découvre sans cesse des nouvelles choses. Il faut déjà avoir un petit bagage avant de rentrer en formation et mettre à profit son bagage. Pour aider les autres, c'est ce qu'on a fait pendant les 5 jours où on a dû rusher sur le projet. Il faut être autodidacte parce que les choses n'arrêtent pas d'évoluer, de se mettre à jour. Donc si on ne suit pas et qu'on reste dans notre petit format d'apprentissage, c'est bon, je sais, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut évoluer. La formation nous a appris à découvrir les métiers du jeu vidéo que nous ne connaissions pas, pour être honnête. Et parce que c'est un monde un peu, on va dire, fermé, on n'en parle pas beaucoup, on voit juste les jeux qui sortent au magasin, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe en dessous. Et la formation nous a permis de découvrir ce qui se passe en dessous et de rattacher ces rôles à notre propre expérience personnelle. La formation nous a bien sûr permis de découvrir les rôles de chacun. Lors de la dernière semaine, nous devons réaliser un prototype de jeu par petits groupes. Et deux petits groupes se sont un peu avancés, si je puis dire. Et nous avons réussi à réaliser deux jeux vidéo en une semaine. Ces jeux vidéo étaient exposés lors de la porte ouverte chez Fishing Cactus, ce qui nous a donné beaucoup de satisfaction et on voulait aller encore plus loin et donc ouvrir notre propre studio de jeux vidéo. Le jeu du Mundaneum est un jeu pour les gens qui vont aller dans le musée, c'est-à-dire que le jeu sera directement disponible sur une tablette qui sera distribuée à l'entrée du musée. Et dans ce jeu, nous devons contrôler le globe du Mundaneum à travers 5 chapitres d'univers différents. C'est un jeu très, très simple, mais en même temps assez fun pour que les gens puissent découvrir interactivement le musée. Pour cette exposition qui a trait à l'accès au savoir et à la diffusion de la connaissance, nous avons réfléchi à un autre système, quelque part, d'accès au savoir et aussi d'appropriation du savoir. Et ce jeu permet, quelque part, de s'approprier un savoir par soi-même, tout en s'amusant. Pourquoi un serious game? Parce que c'est quelque chose qui est en développement et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne considèrent pas quelque part comme ayant un impact. Or, on se rend compte de plus en plus que l'apprentissage passe beaucoup mieux par le ludique. Et donc, nous sommes dirigés vers un jeu vidéo parce que c'est ce qui parle aussi aux jeunes. Et dans un musée, avoir des jeunes et qui s'amusent, c'est très très difficile. Les impératifs pour moi, c'est la motivation. Au-delà du financier, quelqu'un de motivé va y arriver. Il mettra tout ce qu'il faut dans la balance pour aller chercher les fonds, pour vraiment
sortir son projet. C'est la motivation, c'est l'audace aussi, parce que je crois que quand on veut aller chercher quelque chose, quand on veut faire quelque chose qu'on aime, il faut se lever, il faut aller le chercher, et c'est la motivation qui va le faire. Merci de nous avoir accompagnés dans notre présentation courte et rapide de cette formation gaming. Il y aura d'autres formations, d'autres émissions sur le site internet, je vous le rappelle, le www.technocité.be, et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Merci, à bientôt.